Je me suis inspiré tout simplement des recettes classiques de la cuisine française. Je voulais juste essayer de démocratiser les abats. Et c'est vrai que la langue de bœuf, je trouve que c'est intéressant de casser les codes, de le servir plutôt froid, en fine tartelette, avec quelques copeaux de truffes, quelques navets marinés en pickles. C'était intéressant. Visuellement, il fallait trouver quelque chose de joli pour rendre sexy, entre guillemets, la langue de bœuf. La durée de cuisson, donc environ 4 heures, pour bien la garder fondante. Ensuite, voilà, on la refroidit bien, on retire la première couche, la première peau. Ensuite, il faut tailler une fine brunoise. On cuit un œuf dur, on le passe au tamis. Avec de l'estragon, du persil, un petit peu d'échalote. Tout ça, on fait un mélange assez homogène. Avec des légumes, on rajoute ça, moutarde à l'ancienne. Une fine pâte qui va nous servir de base pour la fine tartelette. On prépare des navets en pickles, c'est pour apporter une petite touche acidulée à la recette. C'est ça qui va être intéressant. La truffe aussi, donc la truffe, on va tailler des copeaux de truffe pour faire un joli damier. Et des petites graines de moutarde cuites aussi en pickles. C'est un nouveau restaurant, on est capable de travailler de la langue de bœuf et on est content de toucher les clients avec ce genre de produit. Pour le cadre, j'ai travaillé moi donc à New York, j'ai souvent traîné dans les quartiers de Brooklyn. Je voulais un endroit convivial où les gens pouvaient s'y sentir à l'aise. Et en même temps dans l'assiette, il fallait que ça soit entre guillemets sophistiqué.